like there's no tomorrow. Alors aujourd'hui, Guillaume, j'aimerais qu'on aille voir le logo, le symbole de l'ONU. Ok. Alors, c'est assez rigolo parce que avant même que tu me présentes le sujet, on m'a fait venir dans une pièce. Et dans cette pièce, c'est comme une grande bibliothèque, mais il y avait Dark Vador. Ok, et, tu fais partie de l'ONU? Ben, je sais pas, ben, en tout cas, ça n'a pas l'air très lumineux, quoi, tu vois. Ok, ok. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre parce qu'en fait, j'étais justement en train de penser aux annales akashiques. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, sûrement dans l'enquête qu'on va faire avec Anso, on va partir dans les annales akashiques. Et du coup, ça m'a envoyé dans cette bibliothèque avec Dark Vador devant moi et des trucs hyper sombres. Et du coup, j'ai testé, je me suis dit, mais est-ce que c'est OK qu'on soit là? Et ça m'a dit, oui, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Bon, donc voilà, ça donne le ton. OK, d'accord. Alors, bien sûr, hein, tu ne prends que les infos. On ne va pas aller faire un petit câlin à Dark Vador. Non. Comment il est, ce logo de l'ONU? Excuse-moi, je ne m'en souviens plus trop. Alors, en fait, c'est une map monde entourée d'une couronne d'oliviers. Ah oui, OK. Et sur cette map monde est dessinée comme une grille ou une cible. Le dessin est blanc sur fond bleu. Tu le vois? Ouais, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu as comme premières infos? Alors déjà, ce logo, je ne le vois pas en 2D, mais je le vois en 3D, comme une sphère, comme si c'était une pierre qui était programmée. C'est un peu bizarre. Hein. C'est comme si c'était une pierre précieuse, comme comme une pierre que tu aurais mis sur un bijou, sur une bague ou sur... ou je sais pas, ou dans un... En fait, comme un truc de joaillerie. Okay, il me montre une boule comme ça, surplombée d'or ou d'une couronne. Et derrière, on voit très bien que c'est programmé, mais à mort. Quoi. On voit que c'est un objet qui est vivant. Tu sais, ça me fait penser dans Les Visiteurs, la bague du Hardy, là. Tu sais, le truc qui s'enflamme, la bague qui s'enflamme et tout ça. Qui fait exploser la voiture. Ouais, c'est ça, pareil. Et donc, en fait, dans ce qu'on me montre dans l'énergie, c'est quelque chose de très puissant énergétiquement. Et c'est vraiment une sphère. Ok. Alors, pourquoi une sphère, déjà? Alors, ça me renvoie tout de suite à la Terre entière. Et ça me renvoie à la grille matricielle, directe. Ok. Okay. C'est bizarre. C'est comme si, je sais pas à quoi ça correspond, à ce qu'on me montre. C'est comme s'il y avait un endroit sur Terre, une chambre forte ou une chambre secrète, je sais pas, où il y a l'original de cette... De ce symbole, sur lequel on fait de la magie noire. Ok. On dirait qu'il y a une chambre forte noire qui est au sous-sol d'un bâtiment ou un truc comme ça. Et cette chambre, elle est dédiée à ce qu'on fasse des incantations et qu'on fasse des programmations sur l'ensemble de la Terre. Ok. Alors, est-ce que tu peux avoir des infos sur ce lieu, sur l'objet? Alors d'abord, est-ce que c'est un objet? C'est un objet, oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment une pierre? Ou une représentation de la Terre? C'est une représentation de la Terre. Mm-hmm. J'ai vraiment l'impression que c'est un minéral. Hein. Ok. Et prends des infos sur ce minéral. Est-ce qu'il est terrestre? Oui. Est-ce que tu peux avoir des infos? Quel est ce minéral? Alors, j'ai rarement les noms, mais je peux arriver à le décrire. Mmh. C'est un minéral qui est bleu-vert, légèrement
transparent, mais enfin, il est assez opaque, mais la lumière passe au travers. Il me fait penser à, tu sais, ces billes qu'on avait gamin là. Comment elles s'appelaient? Je sais plus. Les Les comètes, peut-être? agates. Les comètes, je crois. Tu Ah sais. ouais, selon un Ouais. peu irisé à l'extérieur. Il n'y a pas de vernis. Elles sont comme. Tu sais, c'est comme le verre poli. Tu sais, le verre que tu vas retrouver sur la plage, machin, et qui a été. Et en fait, qui laisse quand même malgré passer la lumière. On dirait que c'est ça. Ça ressemble D'accord. à ça. C'est OK. plutôt vert bleu, ouais, mais plus vert. Et on voit passer légèrement la lumière au travers. Et ça constitue le cœur de cet objet. Et autour, tu as une grille métallique. Et je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils programment ou ils envoient des intentions de programmation sur cette grille. Et le minéral le minéral symbolise la terre. D'accord. Si tu remontes à l'origine de cet objet, où est-ce que ça t'emmène? Où ça m'emmène très profond dans la terre. On dirait que ça a été découvert, mais on dirait presque un truc d'intra-terre. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi je vais en intra-terre. OK. Tu es Il y a une dans la raison, trate. il y a une résonance entre un cristal ou quelque chose comme ça, ou un minéral qui est dans l'intra-terre, dans un temple de l'intra-terre. D'accord. Regarde autour de toi. Est-ce que tu es dans une chez un peuple de l'intra-terre, dans une Oui. civilisation? Ouais, j'y suis déjà allé en explo, je me souviens pas ce qui s'était dit, etc. Mais je sais qu'il y a un temple avec un minéral qui est très puissant, qui est très bien gardé aussi. En fait, ce que ça me dit, alors j'y suis pas vraiment, mais tu vois, on me montre les images, comme quoi ce minéral tu vois, qui est dans cette grille métallique, c'est un fragment de ce gros cristal qui est dans l'intra-terre. D'accord, OK. Est-ce que tu peux savoir à quoi sert ce cristal? Le gros qui est en intra-terre? Oui. Alors, par contre, là, il faut que j'aille demander. L'équilibre de la Terre. L'équilibre énergétique, tellurique, tout ça. Oui, tellurique et énergétique, oui. Il y a un réseau D'accord. qui part. C'est comme si presque c'était le cœur de la Terre. Et qu'il y a un réseau qui part de ce cristal. OK. Tu parles avec qui là? Avec un gardien que j'avais déjà rencontré, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus s'il m'avait déjà dit son nom, mais lui, en fait, ça fait déjà 2-3 fois que je le vois. Attends, je check avec lui. C'est bon. Lui, il me dit, on se prend dans les bras, comme ça on sait qui on est. OK. Donc, ok. Bon, tu vois, C'est OK pour toi? j'ai fait un câlin et tout ça, et c'est ok. Donc, c'est de la lumière. C'est lui qui. En fait, on est à l'extérieur du temple là, mais plusieurs fois il m'avait déjà parlé de ça. Et donc là, en fait, il me montre le réseau qui part de ce cristal, qui est aussi relié aux grands arbres qu'on avait vus, tu sais, il y a quelque temps. D'accord, OK. Est-ce qu'il peut te raconter l'histoire de ce fragment qui a peut-être été volé ou donné? En fait, ce fragment, il s'est détaché à un moment donné, et en fait, il s'est retrouvé dans une sorte de croûte terrestre. Entre l'intra-terre et la surface, il y a comme une espèce de croûte terrestre où il n'y a pas grand-chose. Et c'est comme s'ils avaient fait des fouilles à un moment donné, qu'il y avait des gens qui avaient fait des fouilles et qui étaient tombés sur ce cristal et qui s'en étaient appropriés, et qui s'en servaient de résonance, en fait. D'accord. OK. Les gens qui l'ont trouvé au départ, qui c'était? C'est des entités de quatrième ou de cinquième dimension. OK. Est-ce que tu as un nom? Démoniaque. Ah, tout de suite. Ouais. OK.
Ok, donc j'imagine que quand ils ont fait ces fouilles-là, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils ont ratissé la terre, en fait. D'accord. Pour le trouver. Non. Pas forcément. Non. Ils sont tombés dessus et en fait, c'est des opportunistes. Ils D'accord. cherchent, ils trouvent des choses et ils les détournent. D'accord. Du coup, est-ce qu'il savait au départ à quoi ce cristal servait? Non, pas forcément, mais ils ont découvert la puissance du cristal qui pouvait se connecter à tous les nœuds telluriques de la Terre. Et en fait, ouais, en fait, ils détournent, c'est leur truc, ça. Ils détournent les circuits telluriques, ils les corrompent. D'accord. Ça m'amène sur tous les endroits de culte de la Terre. De culte, tu penses aux cathédrales? Les temples, les tout, mais tout. Il y D'accord. a les cathédrales, il y a les chapelles, il y a les temples, il y a les dolmens, il y a tout. En fait, ils se servent du schéma tellurique et notamment de la puissance aussi de ce. Mais en fait, si tu veux, ce minéral-là, ce fragment-là qu'ils ont récupéré, c'est pas tant que ce soit un fragment volumineux, enfin tu vois, gros ou pas, ou puissant ou pas, c'est que ça leur sert de point d'entrée sur le réseau tellurique, comme une clé. D'accord. Et en fait, en activant et en programmant ça, ils savent que de toute façon, tous les minéraux sont reliés entre eux, et donc ils ont un point d'entrée sur le réseau. Donc ils balancent D'accord. leur merde. Ok. Alors, question peut-être bête, mais comment un fragment peut être entre guillemets plus fort que le cristal que tu as vu dans l'intra-terre? Peut perturber à ce point le réseau, comme un virus qui bousille tout le système. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, apparemment, il n'y a pas d'histoire de puissance, hein. C'est D'accord. vraiment un problème d'accès, on va dire. Ils ont accès, donc ils s'en servent. Et j'imagine que le gardien là, avec lequel tu as parlé, il a aussi accès à ce cristal, donc il peut peut-être contrebalancer, non? Ouais, mais en fait, c'est pas les intraterres, là, apparemment, ils s'occupent de ce qu'il y a sous le terre. Et en fait, ils s'occupent pas trop de ce qu'il y a à la surface. Et c'est comme D'accord. si ils étaient vraiment dans le respect du libre arbitre. Enfin, c'est même pas ça. C'est même pas le libre arbitre. C'est leur jeu à eux, quoi, si tu veux. C'est là-haut, bah, ils sont en train de jouer à ça, ce peuple est en train de jouer à ça, et c'est leur histoire. Et on n'a pas à faire de l'ingérence, tu vois, c'est vraiment ça. Ils sont absolument pas dans l'ingérence. Mais Un ça ne peu. les impacte pas. Non, alors, ils subissent des intrusions, on va dire, mais elles sont totalement maîtrisées. Ils maîtrisent complètement leur réseau à eux. D'accord. Ok. Donc c'est presque indépendant. D'accord. Alors on va regarder un peu donc ces entités démoniaques comprennent. Que c'est une clé et que ils peuvent agir sur la surface de la Terre. Oui. C'est ce qu'ils souhaitent en fait, à n'agir que sur la surface de la Terre. Ouais, en fait, ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas, à prendre l'intérieur de la Terre. Donc, D'accord. ils se consacrent vraiment que sur l'extérieur. Et il y a une prise de pouvoir, tout simplement, sur la surface de la Terre. Ok. Qu'est-ce qu'ils peuvent manipuler? Comment peuvent-ils agir en programmant cette pierre? En fait, il contrôle les mouvements. En fait, tout ce qui est dit au déplacement des troupes, déplacement des armées,
déplacement des poches de rébellion. Là, en fait, c'est comme si, je sais pas si tu connais le jeu Risk, tu vois le jeu de plateau là où en fait on déplace des armées et on quadrille la terre. Et c'est ça qu'ils jouent à ça. C'est-à-dire qu'avec avec leur espèce de grille, en fait, ils contrôlent et ils arrivent à équilibrer, aussi bizarre que ça puisse être, ils arrivent à équilibrer Les forces les en présence. violences, les forces en présence, les violences qui peuvent naître à droite et à gauche. Et ils jouent vraiment, ils sont au contrôle de ça. Du coup, comment tu peux à ce point manipuler des troupes, des armées? Comment ça se passe? En fait, ce que je vois, alors, ça s'apparente vraiment à une matrice. Et en fait, c'est comme si la Terre était quadrillée en zones. Et comme on a souvent tu sais, souvent on voit le globe avec un quadrillage. Et en fait, c'est comme s'il y avait des zones avec des impulsions électromagnétiques. Ça m'est montré comme ça. D'ailleurs, j'ai les mains qui s'activent vachement. Et c'est comme s'il y avait des intentions, des choses d'un point de vue électromagnétique qui sont envoyées sur des zones de la Terre pour calmer ou pour activer les armées. Donc en fait, ça. Alors, toi, tu parles vraiment spécifiquement des militaires ou ils peuvent agir sur l'ensemble de ce qui vit sur Non, la non, ils Terre? peuvent agir sur tout. Mais quand même, c'est très lié à tout ce qui est conflit, affrontement. Tu vois, c'est très lié à ça. Mais Et les. de toute façon, quand ils mettent la sauce, là, tu vois, dans une zone, la population est aussi impactée. Ils prennent aussi, tu vois, comme si, par exemple, si on avait envie de réveiller une poudrière, tu vois, ils vont balancer une énergie, ils vont mettre une programmation des intentions, et ça va quand même réveiller aussi la population derrière un esprit de loyauté ou, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Par ricochet, en fait, la population réagit. Prends l'exemple d'un militaire. Comment énergétiquement il est branché à ces impulsions électriques qui sont envoyées? Bon, là, de toute façon, le fait qu'il soit militaire, déjà, le branche à ce réseau matriciel supérieur. Ça me montre direct l'embrigadement, le contrôle, le contrat aussi, contrat avec l'armée. Il est connecté à ça. Il y a un lien. Et c'est tout? Ben, ça me fait penser aux autotamponneuses avec le fil qui les relie au truc électrique, hein, et qui les fait avancer. Tu sais, ça me fait penser vraiment à ça. C'est des pantins qui sont reliés. Et dans leur corps, qu'est-ce qui... C'est du contrôle mental. Hein. D'accord. C'est des Est-ce que... impulsions mentales, excuse-moi. C'est juste des impulsions mentales, comme des impulsions électriques ou électromagnétiques qui sont envoyées à leur. Et ça touche en fait des zones précises de leur cerveau. Qui active ces esprits de loyauté, de soumission et tout ça. D'accord. Allez, tu vas te déconnecter de ça. Il y a un truc qui est aussi intéressant, juste pour finir. On dirait que ça touche la sensibilité de certains hommes. Alors c'est marrant, mais on dirait il y a le lien avec la maman. Comme si c'était les petits bébés de leur maman et qu'ils obéissaient à leur maman. Parenthèse, hein, mais ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, les mecs, les militaires, ils sont super virils et tout ça, machin, mais en fait, ça active une zone de soumission par rapport à la maman chez eux. D'accord. OK. Ok, voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce que par la manipulation et les intentions pour programmer cette pierre, ils peuvent aussi influencer le climat?
Alors, ça me dit potentiellement oui, mais ils passent pas par là pour le faire. D'accord. Ok. Eux, leur truc, c'est vraiment les mouvements de troupes, le fait que des conflits éclatent à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. C'est diviser pour mieux régner, c'est gérer la colère, gérer la haine et la répartir. Tu vois, la répartir là où il y en a besoin. Okay. Est-ce qu'il, si on va un peu plus loin, les manifestations contre, les manifestations pour, est-ce que tout ça est orchestré aussi? Tu vois, je pense par exemple aux gilets jaunes, entre autres, les manifs anti-vax, les choses comme ça, pour parler de choses récentes. Alors, pas tout. Il y en a certaines, oui. Mais par exemple, tu vois, tu m'as dit les gilets jaunes, je vois pas qu'ils sont à l'origine de ça. Mais par contre, ils les maîtrisent, mais grave tranquille. Ah, ils sont dans un fauteuil. Ouais, On donc, sait bien, c'est pas déprimant. Non, non, mais voilà, bah, je dis ce que je vois. Hein, Bah oui, bien sûr, évidemment, non, non, et tu évidemment. vois, les anti-vax et tout ça, c'est même pas un sujet, ils s'en foutent. Les gilets jaunes, ils ont un peu sourcillé. Parce que ils ont eu peur à un moment donné que ça soit trop contagieux, et notamment que ça touche les pays anglo-saxons. Alors ça aurait été un drame pour eux. Tu vois, je vois la contamination vers l'Angleterre qui aurait été très difficile pour eux. Mais sauf que ça ne l'a pas fait. Ils ont réussi à contenir les frontières. C'était ça leur truc. En fait, ils ont endormi, ils ont encerclé les manifestants. Ils les ont contenus à la France, parce qu'ils voulaient surtout qu'il n'y ait pas de contagion. Mais après, ils ont quand même vachement bien géré le truc. Hein. Ils étaient tranquilles. Hein. Bon, ils ont mis ce qu'il fallait, mais ils ont réussi. Pourquoi pas l'Angleterre? Et je ne sais pas. En fait, ça m'a tout de suite allumé pays anglo-saxon. Et si ça, parce que en fait, les pays anglo-saxons, tu vois, par exemple, le Commonwealth ou des trucs comme ça aurait été, ça aurait pris une envergure trop grande. D'accord. Est-ce que quasiment toutes les révolutions, rébellions, les grands mouvements de contestation ont tous été contenus par eux? Et parfois peut-être instigés par eux? Alors, il y en a beaucoup qui ont été faits par eux, mais en fait, c'est devenu une nécessité à un moment donné de créer cet organisme, mais c'est au-delà de l'organisme, l'organisme, on s'en fout. En fait, c'est de créer ce mécanisme énergétique pour justement, pour ne pas se laisser surprendre par des choses comme dans le passé, apparemment. Tu vois, la Révolution française, ça a été quelque chose qui les a dépassés. Ok, très bien. On va, si tu veux bien, aller voir qui est aux commandes de ça. Donc ces entités démoniaques indirectes. Tout en haut de la pyramide, il y a quand même des entités extrêmement puissantes et noires. Quand on descend, bon, c'est pyramidal, c'est clair. Ça me dit lavage de cerveau quand même pour tous ceux qui travaillent là-dedans. Donc ils doivent subir des programmations. Je vois même ceux qui sont à la base de la pyramide. Ça me dit lavage de cerveau. Ça arrête pas de me dire ça. J'avais depuis le départ MK Ultra, ça. Oui. La manipulation mentale aussi bien sur le terrain que dans la pyramide. Plus on descend, plus ils lavent les cerveaux. Et plus ils sont dociles, ouais, ils prennent et ils recrutent des profils qui sont particulièrement sensibles à la manipulation mentale et au lavage de cerveau. Donc les gens qui servent à l'ONU sont malheureusement des gens qui sont. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne sont pas lumineux, mais ce sont des gens qui sont vraiment. Manipulable, malléable, Voilà, c'est ça. achetable. Mais en fait, c'est surtout, tu vois, ils agissent, alors pas trop, tu vois, sur l'argent. Oui, il y en a un qui transite. Mais leur outil favori, c'est le lavage de cerveau. Est-ce que
il y a une possibilité que cette pierre leur soit dérobée ou enfin, en gros, dans ce jeu, il y a une porte de sortie lumineuse. Ou c'est pas le sujet. De toute façon, on me montre à chaque fois la même chose quand on s'attaque, enfin, quand on regarde ces institutions ou ces prises de contrôle, on me montre toujours la même chose. Et là, ça déroge pas à la règle. C'est la population mondiale qui s'allume et qui s'élève et dont la lumière fait voler en éclats toute la structure métallique qui est autour de la Terre. C'est Et toujours la si... même chose, toujours. mais si il continue à, tu vois, à bien maîtriser les révoltes, les révolutions, les contestations, et qu'il ne craigne pas ça, et on sait que certaines manifs ont allumé des consciences, on peut jouer longtemps à ce petit jeu. Ouais, mais là où ils disent que notre lumière est bien plus puissante que toute leur programmation, et que en fait la clé, elle est dans l'élévation de chacun et non pas dans les manifs. Et en fait, quand on est dans les manifs, on rentre dans leur système, et donc c'est là où ils peuvent nous manipuler. Par contre, on pourrait très bien arriver à faire de la manif, mais de façon lumineuse, mais elle serait moins efficace que si on s'élevait individuellement, nous. Chacun de notre côté et à l'échelle de la planète. D'accord. OK. Donc la porte de sortie, elle est là. En fait, on se fout un peu de la pierre et de tout ça. Complètement. Complètement. Après, la pierre, c'est comme une clé, hein, si tu veux. C'est une clé pour rentrer dans le réseau. Si demain tu leur confisques la pierre, bon, ils trouveront un autre point Ils trouveront d'entrée. autre chose. Tu vois, c'est pas. En fait, la pierre, elle est là juste pour montrer qu'ils contrôlent, enfin, ils sont rentrés dans ce réseau avec cette pierre et que ça leur sert à eux d'objet pour programmer. Voilà, c'est tout. D'accord. OK. Est-ce que tu as d'autres infos sur intéressantes sur ce sujet-là? Ben, après, j'étais vachement attiré par justement le logo, tu sais, dont tu me parlais tout à l'heure, et ça me faisait vraiment penser à de la fausse lumière. Donc c'est vraiment très puissant parce que tu regardes le. Franchement, tu vois, j'ai regardé le logo, je me suis dit waouh, c'est beau. Et quand je regarde la lumière du logo, je me dis waouh, c'est de la belle lumière. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait. Et les gens tombent dans le panneau parce qu'ils voient quelque chose de lumineux derrière l'ONU. Alors que vraiment, c'est de la merde, quoi. Pourquoi ils ont choisi ces deux couleurs? Est-ce que ça a Ah, une... oui, c'est vraiment détourner la pureté du blanc et l'énergie de courage du bleu. Parce qu'en Courage et même temps, confiance, ouais. Courage et ouais. confiance. Tu vois, on parlait de confiance avant. Et tu sais, quand tu parlais du lien à la mer, qui est ou, voilà, ce dont tu parlais, qui est détourné, le blanc et le bleu ciel, c'est aussi les couleurs de Marie. Oui. Ouais, mais il y a plein de symboles derrière. Hein. Il y a plein de, mais c'est que de la manipulation et du détournement. Et en fait, tu vois, c'est même ce. Alors, je sais pas quelles sont les caractéristiques de ce bleu-là. Et tu vois, c'est du faux bleu, ils disent. Ils disent que en fait, mais s'il y a une nuance, tu sais, c'est comme les notes de musique avec les fréquences. Tu sais, c'est pareil. C'est juste, ça a la La couleur du fréquence en bleu, dessous, ouais, c'est juste le truc différent. Pour dire, regardez, regardez, c'est la même, mais oui, c'est le même bleu pur et tout ça, mais en fait, c'est pas le vrai. Et tout est comme ça dans ce logo. Tout est faux. On a vu le principal. Ok, alors en fait, moi j'ai commencé par le logo de l'ONU parce que depuis quelques jours, je ne sais pas si tu as vu passer l'info, il paraîtrait que un des sites d'Elon Musk a fait fuiter une photo satellite, en fait. Alors un satellite très 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 haut. Tu l'as vu ça? Non, j'ai pas vu du tout.
Ok, super. Où on voit en fait au centre de la photo les continents, donc tous les continents. On voit le soleil sur la droite, la lune à gauche. Et vraiment, la photo, elle est prise de très très loin. Et tout autour des continents, une sorte de ceinture de glace. Et ceux qui ont relayé en fait cette photo l'ont comparée au sigle, au logo de l'ONU. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme info déjà par rapport à cette photo qui aurait fuité? Alors attends, il faut que j'aille demander vraiment beaucoup plus haut parce que là je sens que je suis interféré. Il y a des parce qu'on vient me parler à droite à gauche, tu vois, c'est pas. Demande à Elon ouais non, Musk. ça va aller. Allez, on va aller, je vais aller vraiment très haut. Alors ça me dit tout est manipulation. Toutes les infos que vous auxquelles vous avez accès sont détournées. C'est cool. Il sert ses propres intérêts, Musk. Il a envie de renverser l'équilibre en place, l'équilibre de soumission, enfin de pouvoir. Il y a une force qui est là et qui a assis son pouvoir depuis trop longtemps. Et lui, son but, c'est de renverser ce pouvoir pour prendre lui-même le pouvoir. Il veut faire vaciller la population pour que, en fait, son objectif, c'est que la population vacille de façon à ce que ses ennemis soient occupés à reprendre le contrôle dessus et que lui puisse en profiter pour rentrer dans la partie, quoi, tu vois. Ok, donc ce n'est qu'un énième jeu de pouvoir. Oui, clairement. D'accord, donc tu es en train de me dire indirectement que cette photo est bidon. Cette photo est authentique. D'accord. Cette photo est authentique, mais si tu veux, ils se servent de choses qui sont assez proches de la réalité ou réelles, tu vois, pour venir faire vaciller l'équilibre en place. C'est-à-dire là, il va y avoir des bombes qui vont être lâchées, on va dire. Ils vont essayer d'éveiller la population, mais c'est dans le seul but de nous manipuler. En fait, ils en ont rien à foutre qu'on sache vraiment la vérité, que la Terre est plate ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou qu'il n'y ait qu'un seul continent entouré de glace. Ça, ils en ont rien à foutre et nous, ils s'en fichent vraiment de nous, de ce qu'on peut penser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir. Donc, ils sont prêts à lâcher des choses pour déséquilibrer la structure. Alors, en fait, ils sont prêts à donner un petit bout de vérité, lever un petit peu le voile. Mais, ok, ils pourraient le faire, ils pourraient continuer à le faire dans le mensonge, finalement. Non, parce que le pouvoir en place, celui de l'ONU, là, par exemple, il est tellement contrôlant que, si tu veux, si par exemple le camp d'Elon Musk, là, s'ils ont envie de faire vaciller ce pouvoir, ils sont obligés de s'appuyer sur les humains. Ils ne peuvent pas aller faire la guerre. Enfin, ça se fait déjà, mais c'est comme si c'était trop compliqué de faire une guerre ouverte. Oui, À ok. ce bloc-là. Ah oui, Ils je comprends. presque trop puissants, en fait. Et ils ont besoin de puissance qui vient du peuple. Ok. Mais du coup, il joue quand même avec justement cet éveil dont ils doivent être très au courant. Oui, bien sûr. C'est un peu qui tout double. Ou pas vraiment. Ou c'est très contrôlé aussi. C'est bizarre parce que alors tu vois, par exemple, les deux camps, si je regarde les deux camps, ils savent qu'il y a un éveil, mais ils sont tellement prétentieux qu'ils pensent qu'ils vont le maîtriser, le contrôler. Et donc, en fait, ils se permettent même tu vois, la vanité, je sais pas, la prétention, de pousser l'éveil. Ok. Parce que, enfin, si, tu vois, si cette photo est véridique, comme tu sembles le voir, Oui, ça me dit oui, ça me dit ça oui. remet tout en cause. Enfin, là, pour le coup, tu vois, c'est comment dire, la preuve claire
que c'est un mensonge, mais monumental du début à la fin. Donc, les gens vont s'engouffrer là-dedans et vont pas arrêter de chercher. De... Ouais, mais ils savent très bien. Tu vois, par exemple, Elon Musk, là, c'est pas un mec con, hein, vraiment. Il sait très bien que tu vas balancer une bombe à 1 million de personnes, et sur les 1 million, tu vas en avoir 10 000 qui vont s'éveiller et qui vont comprendre ce qui se passe. Les autres, en fait, vont émettre quelques doutes, tu vois, et puis repartir dans leur certitude et leur conditionnement. Donc, il joue aussi là-dessus. C'est-à-dire que pour pouvoir un peu faire vaciller la population mondiale, il faut lâcher une grosse bombe et qui va toucher qu'une seule, une seule portion, si tu veux. Et ils ont besoin que de cette portion-là d'énergie? Je vois qu'ils ont quand même besoin de beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas s'ils vont y arriver. Hein. Et même, voilà. avec, même avec une bombe comme ça, c'est même pas sûr quoi, qu'ils y arrivent. Est-ce que... Alors bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on visite un peu justement cette photo, mais on le fera un peu plus tard, voir un peu comment ça fonctionne. Pour terminer, est-ce que il prévoit du coup de lâcher d'autres bombes ou d'autres vérités, hein, tout simplement. Tant qu'on ne sera pas arrivé à nos fins, il dit Elon Musk. C'est intéressant pour nous, du coup, leur vanité. En fait, mais c'est pas gagné, hein, pour les humains. Parce qu'en fait, c'est comme si aujourd'hui, les humains n'avaient pas conscience qu'ils forment une force. Et c'est comme si aujourd'hui, il y avait par exemple deux forces. Bon, là, je vois ces deux forces, mais je sais qu'il y en a d'autres. Hein. Mais je vois ces deux grosses forces, ce bloc qui est en place et par exemple la force de Elon Musk. Ils sont là, mais ils ne considèrent pas les humains comme une troisième armée. Ils les considèrent comme des moutons. Et les humains se considèrent comme des. Comme effectivement, hein, comme du bétail. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est encore sa force. Ouais. À Elon Musk. Ah oui, parce que c'est sur ça qu'il s'appuie. Il se dit, mais de toute façon, ils sont tellement soumis que de toute façon, ils se mettront jamais ensemble et ils nous renverseront jamais. Donc en fait, il y aura toujours quelqu'un au-dessus d'eux. Donc, okay. Et lui, il est tranquille avec ça. Et du coup, il se dit, ça serait bien que ça soit moi, au-dessus d'eux. Ouais, il est pas seul. Hein. C'est pas le grand monarque, hein, c'est il y a d'autres choses à côté de lui et des entités éthérées à côté de lui. C'est plutôt sombre, plutôt lumineux, c'est quoi? Ou il y a peut-être les deux, hein. Ouais, il y a les deux. Enfin, bon, c'est pas très lumineux non plus, mais c'est après ils sont moins volutifs que les autres. Hein. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on ira visiter tout ça et bien plus plus tard. Ça marche. Merci Guillaume. Avec plaisir.